j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing Amazon. Un article Amazon. Bon, oui, il est déjà ouvert, je sais, j'ai pas pu résister. Honnêtement, je ne savais même pas si j'allais filmer. Mais si, en fait, j'ai trop envie de partager ça avec vous. Alors, c'est mon cadeau Saint-Valentin. Oui, bon, ok. J'ai ouvert un petit peu avant. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement, moi, le cadeau que j'ai fait à mon conjoint, il a déjà ouvert. Alors du coup, bah voilà. Puis voilà, enfin, je veux dire, que ce soit avant ou après ou pendant, c'est pareil. Et voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, je vais vous montrer. Il s'agit de voilà, d'une valisette. Bon, vous allez me dire encore une valisette. Qu'est-ce qu'elle est relou avec ses valises. Bah, en plus, vous regardez, j'aime bien la couleur. Voilà. Bon, le modèle, j'ai pas trop eu le choix. Mais elle est très belle quand même. Voilà. Que je vous explique. J'ai plein de valises, oui. Mais celle-ci, elle a, je crois que c'est 120 contenants. Voilà. J'ai unboxé récemment. Mais vous ne l'avez pas encore vu. Enfin, moi, du moins, là, au moment où je filme, une toile d'ac avec 98 couleurs, je crois. Et j'avais pas de valise pour la faire. Et j'ai tellement envie de la faire ce mois-ci que ben, quand mon copain m'a dit « Tu veux que pour la Saint-Valentin ?» Moi, j'ai dit « Une valise !» Voilà, et je lui ai montré et il me l'a pris. Et on l'a reçu le lendemain de la commande alors qu'on n'a pas Amazon Prime. Donc, franchement, j'étais super contente. Si je ne me trompe pas, elle était dans les environ à 25 euros, je crois. Voilà. Donc, bon, elle était pas chère. Hein, parce que d'habitude, j'achète chez Ali. Hein, faut se l'avouer. Mais voilà, 120 contenants pour 25 euros. Je trouvais que ça valait vachement le coup. Et c'est la seule. D'où le fait que je n'ai pas choisi le dessin, le modèle. Mais honnêtement, elle ne me déplaît pas du tout. Il y a du rose, il y a du violet. Non, elle est très très belle. Alors, elle est épaisse. Voilà, très épaisse. Une bonne poignée, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, nous avons ceci. Alors, le seul truc qui m'a fait bizarre, on va dire, au début, c'est que d'habitude, quand ce sont des valisettes à étage, le bas est plus haut que le couvercle. Donc, vous voyez, là, en fait, que ce soit le couvercle ou le bas, c'est la même taille. En principe, le bas recouvre tout. Mais là, vous voyez, on a l'étage du bas et le dessus qui est dessus. Voilà. Mais d'habitude, les boîtes, là, ça va jusqu'en haut. Ça m'a fait bizarre à l'ouverture, mais de toute façon, je me suis dit, après tout, on les enlève. Hein, puisque si on a une grande, c'est qu'on a besoin des deux étages. Donc, en principe, voilà, on l'enlève. Donc, on l'enlève. Voilà. Et vous voyez, c'est assez épais quand même. Hein. Je dis pas que la qualité de la mousse, hein, mais bon, on verra bien. Mais voilà, c'est trop beau, quoi. Voilà, je vais pouvoir faire ma toile. Bien évidemment, acheter une valisette pour une toile, c'est du grand n'importe quoi. Je suis d'accord, mais elle me servira de toute façon. C'est voilà, c'est les fioles que j'aime. C'est voilà, c'est ce que j'adore. Alors. Bien évidemment, nous avons comme d'habitude un filet. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, voilà. On a un filet avec. Et avec, nous avions quelques petits accessoires. Alors, les accessoires sont violets. Ça aurait été cool de faire la pochette violette. Mais bon, après, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait avec? On avait trois planches d'étiquettes. Voilà, alors j'ai pas compté si on avait assez. Honnêtement, j'ai pas fait gaffe. Donc trois planches d'étiquettes. Nous avions avec un sachet de sachet zip. Voici. Après, qu'est-ce que nous avons? Je vais tout sortir. Et comme ça, je range au fur et à mesure. Hop. Voilà. Nous avons des stylets. Avec embout simple et différents multiplacers. Voilà, donc ça, embout simple.
Voilà. Et les multi-pacers, pardon. Et je viens de voir que, pour être pratique à utiliser celui-là, regardez. Hop, mise au point. Il est mal coupé. Bon, à tailler. Ou pas, parce qu'honnêtement, moi, les multi-pacers, je m'en sers pas. Après, j'avoue que les stylets, non plus. Enfin, du moins, ceux-là. Mais voilà, enfin, je trouve ça sympa. En plus, c'est assorti avec la toile. Enfin, la toile. Oh, mais non, c'est pas une toile avec la valisette. Et avec mes ongles, vous avez remarqué. Voilà, bref. Complètement déjantée, la fille, mais c'est pas grave. Nous avons avec une pince... voilà, une pince. Ensuite, nous avons, du coup, hein, on a quatre stylets, donc on a les quatre schmilblick pour les doigts qui vont avec. Ensuite, nous avons une petite barquette, comme on les connaît toutes, là, les vertes. Mais là, elle est en violet. Voilà. On a la big barquette. Celle-là, elle est grande. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bec verseur. Enfin... Il y a un truc qui s'ouvre là, mais voilà, je suis pas fan. Mais ouais, voilà, la grandeur est très très bien. J'arrive même plus à la fermer. La barquette, pas la bouche. Merci, je vous vois déjà venir. Bref, voilà, voilà la. Oh. Voilà, voilà la barquette. Oh, ils m'ont kikine là avec sa mise au point là. Voilà, peut-être qu'il en fera moins là. Avec ceci, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 20 pains de cire violette. Le détail qui tue quand même, moi je dis. Voilà. Et nous avons également la petite raclette. Et nous avons un entonnoir. Voilà, violet. Donc, honnêtement, moi je l'ai pris pour la valise, hein, on se doute bien. Mais voilà, enfin, moi je trouve que là, des petits accessoires en plus, je trouve ça super sympa. Et qui plus est violet. Donc franchement, voilà, je suis super contente de mon cadeau. Voilà, je suis très très contente de mon cadeau de Saint-Valentin. Voilà, je vous souhaite... Alors bien évidemment, avant d'oublier... Vous savez très bien qu'en barre d'infos, vous aurez le lien. Hein. S'il est encore dispo, je vous mettrai le lien de l'article. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!